Zéro défi, zéro défaut, épisode 6. L'effet papillon de Tim Carton. Celui qui n'a pas fait ni Alice au pays des merveilles. Et encore moins Mars Attacks. Vous l'avez compris, cet épisode sera inspiré par le travail de création génial de Tim Burton. Réalisateur Tim Burton l'est connu pour son bande de films comme Batman, Edouard à la main ciseau et Ed Wood, qui la décrète à lui comme le plus grand visionnaire cinéma. Vous connaissez ma vie à Ouf et Dracula en 1938. Et alors, l'était faible comme production. Hein, à moi là, mais trouve qu'il était trop si pire. Mais trouve, vous faites plus pire dans la vraie vie. Merci. Alors, qui ça vous préfère? À moi, il m'y fait distribution l'argent gratuit. Et là, où ça, il est le Batman? Sans case, l'île à gay cap. Mais tant il sens. Comme égal, bon film, Tim. Que ça m'y doit comprendre aussi où? Que m'y les piègues. Que m'y n'a des trois problèmes. Conseiller. Ça coup fait les bizarres. Ben, elle a grandi en gardant un tas film bizarre, film fantastique. Et toute quelque part est mentir, loin du réel. Mais zot te parle à moi, zot te tous à moi. Mais a toujours été fasciné par ça que les irréels, inventés, mais qui apporte une vraie sensation. Vous connaissez, ma trouve que mal a eu la science fait film. C'est comme si que la PMA à moi dépasse mon bon problème psychologique. Vous pouvez aller voir un psy quand ou peut fait film. N'y crois à où à moitié là-dessus. Mais est-ce que la donne n'a point une vraie l'opportunité pour présenter ça qui fascine à où? Ça qui fait avance à où? Absolument. Mal a toujours aimé ces histoires longtemps. Histoires des bêtes. Parce que Zotti représente symboles. Zimaz, pas vrai, mais Zimaz qui fait sonner les affaires pour d'ouvrir en moi. Parce que la ville est pareille, elle est folle, pareille, elle est surréaliste. Mais il est tout le temps impressionné par The Moon qui dit la ville est normale. Alors que rien n'est normal. Toutes les incroyables. Et m'y essaye présente sur l'espèce philosophie dans le film, moi. Si nous fait une analyse freudienne des hauts de travail, allez à où? Vraiment, si nous pouvions retourner en arrière et dire l'on a fait que la transforme à où, ce serait quoi? Quand m'étais petit, m'étais garde rien que film avec Bébête. Mon maman, il dit tout le temps qu'avant même que m'étais gay marcé, m'étais adore Bébête. Zot t'es fait pas peur à moi? Zot t'es comme camarade. Saken a son dada, a son doudou. Moi, c'était Bébête. Mais t'es sans à moi connecté avec Zot. Riscable, c'est parce que quand on grandit en Californie d'ici, ou ça que t'as point vraiment de météo, ou ça que t'as point vraiment des affaires extrêmes pour vivre. C'est pour ça que m'y ressent que l'univers Bébête l'est comme un moyen d'exprimer ça qu'elle est néanmoins. Ah oui, il est vraiment un soulagement pour moi. Ok, où là explique tout ça là. Mais où ça nous met Sleepy Hollow, ou dernier film?
Mal a grandi comme toute marmaille avec ses histoires dites cavaliers sans tête. Et il fait rire parce que mal a cause avec un tas de monde. Zoté calcul, zoté connaît les histoires. Sauf que, et moi le premier, nous l'avais jamais lire le livre jusqu'à récemment. Mais quand même, l'était comme installé inconsciemment dans mon coco marmaille. Et puis ma vie lotie comique, fait par Disney, que m'a aimé. Il m'a réalisé qu'il y a une affaire vraiment puissante avec ce bouc sans tête. Riskab, ça que Malalo plus aimé dans le film, c'est le personnage Lycobot, qu'il est bloqué dans son coco et qui pense trop. Et en plus, il doit batailler avec un moon sans tête. Et où existe ta pose des dés? C'est comme si le bouc sans tête, finalement, lui représente le subconscient. Quand on a des canettes, tout le monde peut connaître à où, connecte avec où. Mais là, on a sur l'espèce corps qui marche tout seul, là, il tape direct dans notre type conscient quelque part. Pas la moindre de haute casting, parce que là, on est bon. Ah oui, il était incroyable. Nous l'a fait tout en Angleterre. Et il était international, exacté américains, anglais. Quand vous faites un gros film, c'est comme si vous donne naissance à l'espèce grand famille. Et quand on a toutes sortes de manières où la comédie qui mélange comme mal et surréaliste. Riskab même, c'est les affaires les plus surréalistes que ma vie jusqu'à aujourd'hui. Parfois, ma vie l'impression m'était rêve. Et c'est ça le plus important pour vous? Ah oui. De Monique Alkil, il est obsédé par le résultat final, l'aspect esthétique du film. Mais il ne connaît même pas ce que ça veut dire. C'est le bon acteur qui donne le souffle à vie au film. Surtout quand on tourne dans ces conditions avec des corps que les non-réels. Et là, on rit. Parce que Zotier essaye de donner la vie aux affaires, Zotier essaye de rendre nos affaires pas croyables, croyables. Johnny Depp. Troisième film avec lui, c'est quoi les autres? Vous connaissez, même acteurs qui aiment transformer. Et là encore, il trouve la poésie des affaires surréalistes. Quand ouais, Moon qui joue un rôle, qui ne ressemble pas du tout qui ça lui est dans la vie, et que les affaires y devient réaliste. Dans Edouard la main ciseau, il ne te cause pas. Dans Ed Wood, il ne te gagne pas ferme son clapet. Dans Sleepy Hollow, il est un peu l'idée, quoi. Il est trop gaillard à voir ça en live. Et il donne à moi un tabac énergie. Il en fout sans apparence. Il est tout le temps motivé pour tester. Il est spontané, libéré, délivré. Il ne rôde pas Montanou, son technique, mais prend plaisir avec toute l'équipe. Johnny Depp l'a dit à moi que Zodé te pense la vie n'est pas trop normale, mais un petit peu plus bizarroïde, absurde, si vous voulez bien. Vous connaissez, depuis la maternelle, il essaye pose à nous dans une case. Et m'y connaît pas pourquoi. Moi, elle a été mise dans la case Zarbi. Alors que Malaza me trouve à moins Zarbi. Qui ça la met à où dans la case là? La société n'a une espèce maniafée qui décide pour. Et qui va dire, par exemple, qu'à Lille, il est fait pour sport, l'autre là-bas, elle est anormale. Et il commence bonnet. À force, comme il met à où de six côtés, ben, on commence garde vraiment d'un autre côté, d'une autre manière. Et là, tout y devient vraiment Zarbi. Mais de Moon, il dit que c'est où que les Zarbi? Et là où commence laisse causer, parce que où l'a compris, que la ville est bizarre, mais magnifique. Deuxième partie de cette interview, la semaine prochaine, juste avant le show. Rendez-vous le mercredi 31 mai à la faculté, dans la salle Muséa. Attention, le nombre de places est limité et un cadeau unique au monde sera offert aux spectateurs par tirage au sort à la fin. D'ici là, kiss and love.